Salut tout le monde, c'est Lulu et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World War 2. Putain, je suis déjà niveau 22 je crois, ouais 22 et pour le mode zombie je suis niveau 4. Le zombie c'est une tuerie, le zombie il est gore et tout, c'est un vrai, il y a quelques trucs, franchement ça m'a fait flipper, j'avais fait des bons et tout, il est génial surtout le multi. Oh, quand vous êtes dans le multi, regardez bien, vous appuyez sur quartier général, boum, et là vous êtes dans le QG et c'est là où vous allez pouvoir rencontrer plusieurs joueurs dans le QG. Regardez, j'ai même le casque blanc, regardez, vous avez même un courrier pour ramasser, on vient de m'offrir 100 points. Bon après je sais pas si c'est 100 points de crédit ou 100 points d'armure risque avec, tu peux acheter plusieurs variantes d'armes et tout, et ça c'est vraiment génial. Et plus, si tu gagnes des largages, ah merde j'en ai pas, oh merde. Bon bah je vais pouvoir peut-être vous montrer après quand j'aurai fait quelques parties. Parce qu'en fait genre tu vas choisir un largage, alors t'as largage étalement, largage genre étalement rare, largage genre étalement zombie et largage étalement rare zombie. Et genre tu vas choisir un des quatre, hop. Et puis après genre ça va faire comme un coup stratégique, tu vas le jeter, poum, le truc qui va tirer devant toi. Alors avec tous les joueurs qu'il y a dans le QG en plus, et ben du coup les joueurs ils vont pouvoir voir ce que t'as gagné dans ton coup stratégique, dans ton largage genre étalement. Et ça franchement ça sent génial, ça c'est trop stylé. Et plus là, quand vous allez voir l'intendante, alors vous avez des contrats, des petits contrats sympas. Bon, par contre, le chrono, il se met en route, mais quand vous êtes en train de jouer une partie, mais quand vous avez fini votre partie, il se met en pause. Vous inquiétez pas pour le temps, pour les contrats. J'avais essayé, c'est vraiment génial. Comme là, vous avez un truc, faites sans élimination dans n'importe quel mode de jeu. Et regarde, ça coûte 25 crédits d'armurerie. Et en récompense, si tu réussis ton défi, tu gagnes 3000 XP. Et en plus, t'as 40 minutes pour faire les 100 kills avec n'importe quel mode de jeu. Bon, après, toi, il y en a d'autres, mais après, bon, vous m'avez compris quoi. Et plus aussi, vous avez même les collections. C'est avec. Bah, c'est quand même WR. Là, j'ai regardé, c'est quand même WR. Vous achetez des petits trucs avec des crédits. Hop, et puis après, en achetant tout ça, après, vous pourrez débloquer l'arme que vous souhaitez, ou le camouflage que vous souhaitez, ou l'équipement que vous souhaitez. C'est exactement pareil que MWR. Et aussi, vous pouvez même aller voir le Major Award. Et là, vous avez des petits défis. Par contre, les défis, un truc qui est un peu chiant, c'est que là, le chrono, en fait, il est tout en route. Il se met pas en pause dès que t'as fini une partie ou quoi que ce soit. Mais par contre, il y a quelques défis qui sont assez intéressants. Moi, j'en avais fait un, c'était faire 5 kills avec des équipements ou avec des grenades, quoi. Je l'ai fait. Bah, par contre, toi, il résistera à remporter une partie dans tous les modes de jeu standard. Ça, c'est très intéressant, ça. Ça c'est kiffant. Faites 25 éliminations en une seule partie d'AME. Et récompense largage de raitement rare. Je vais peut-être le faire, mais je sais pas si je vais réussir à faire 25 kills. Oh, de toute façon, on peut quand même tenter parce que de toute façon, rare. J'ai rien à utiliser comme crédit ou quoi que ce soit pour. J'ai rien à dépenser, c'est bon. Et là, j'ai mon petit défi, c'est bon, nickel. Et là, regardez, et là, vous avez le cinéma, mais je croyais qu'en fait, le cinéma, je croyais qu'en fait, c'était quand tu faisais genre des parties. Et qu'après, genre, tu pouvais regarder les parties que tu avais jouées, comme un peu le mode studio Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 1. Mais en fait, non. J'étais très déçu quand je suis allé dans le cinéma. En fait, c'était juste pour regarder tout ce qui est bande-annonce, alors tout ce qui est trailer ou les trucs comme ça, et événements en direct et tout. J'étais dégoûté, j'ai fait oh non, dommage, j'aurais trop aimé qu'il y ait vraiment le mode studio sur ce jeu, mais en fait, c'est juste le mode cinéma. Et là, plus, vous pouvez aller ici, et là, vous pouvez créer vos propres emblèmes et les envoyer à vos amis pour après, genre, créer une team. Ça c'est génial, c'est vraiment chouette, mais par contre ça va bientôt être disponible, enfin c'est pas encore. Et plus, attendez, plus si vous venez ici repos, vous allez pouvoir essayer des vieux jeux qui datent 1900 je sais pas combien. Regardez, avec des crédits tu peux les acheter, genre tu peux y jouer, mais je crois que ça doit être que dans le QG que tu peux y jouer. C'est vraiment génial, c'est vraiment un truc de dingue. Alors non, mais alors là ça faisait depuis longtemps qu'ils n'avaient pas fait un Call of Duty aussi génial quoi. Et là quand vous allez dans l'armurerie, vous allez arme prestige. Après pour passer, ouais voilà, ouais, voilà. Alors, il faut être niveau max, enfin niveau 10, niveau 11 pour après presser, pour après bah, c'est, je crois c'est ici pour passer les prestiges. Et plus vous pouvez créer vos propres peintures et vous pouvez les envoyer à vos potes. Et plus ça, il y a peinture de fabrication, ça je sais pas ce que c'est encore. Enfin ça sera bientôt disponible, je pense qu'il y aura quelques mises à jour à faire et tout. Parce qu'en fait là la vidéo là, en fait je la tourne le 5 novembre. World War 2 il est sorti le 3 novembre. Et en fait dès qu'il était sorti, il est sorti le jour même où mon père l'a acheté. Mon père il l'a acheté, il m'a envoyé un message. Moi je suis en train de dormir, hop je me réveille.
Oh, mon père a acheté World War 2, je suis trop content. Et là, il m'a fait transférer de licence. Et là, j'ai World War 2 sur la Xbox One gratuitement, mon gars. Et là, franchement, ça c'est vraiment génial. Ah. Et là, j'ai même équipé le petit casque blanc là de la bêta. Et là, plus aussi, vous pouvez venir ici. Et là, vous pouvez essayer les score streaks. Ça c'est génial. Vous pouvez essayer les séries de points. Même si, genre, il y a des nouveaux séries de points que tu sais pas si tu vas l'utiliser ou pas, tu sais pas quand l'utiliser, tu sais pas t'en servir. Et ben là, mon gars, tu vas dans le QG, tu vas dans terrain entraînement, entraînement bon de série de points. Et là, tu vas pouvoir essayer tous les séries de points. Et là, sur la carte, et ben là, il va avoir des bots. Et moi, là, je vais être en haut là du truc là où tu montes l'échelle. Et là, je vais pouvoir essayer n'importe quel score streak. Et ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment un kiff. Ce jeu, c'est une tuerie, frère. C'est une tuerie. Non, mais attends, ça faisait depuis longtemps qu'ils n'avaient pas fait un Call of aussi génial. Parce que, attends, les Call of, là, Infinite Warfare, Advanced Warfare, Black Ops 3, Ghost et tout, il y a tout le monde qui dit que c'est de la merde et tout, mais là, franchement, ils se sont super bien rattrapés. World War 2, c'est une tuerie. Par contre, après, il y a un truc qui est un peu. Enfin, n'empêche, c'est plutôt bien en fait qu'ils aient fait ça. En fait, ils ont enlevé la aide à viser pour les snipers. En fait, de toute façon, on est habitué avec Black Ops 3, mais franchement, j'arrive mieux à jouer sans aide à viser sur World War 2 que sur Black Ops 3, quoi. Enfin, je trouve personnellement, pour moi, c'est plus facile. Regardez, par exemple, je vais utiliser. Allez, je vais utiliser le lance-flamme. Ah, mais je peux pas utiliser à cette distance-là. Non, vas-y, au pire, on va choisir un autre. Voilà, je vais choisir bombe à zonde. Regardez, regardez un peu. Regarde, et là, tu peux le diriger. Hein. Regarde, genre, je vais faire exploser ici. C'est trop stylé. Je kiffe. Non, sincèrement, je kiffe. Non, mais tu vois, mes trois Call of Duty préférés, mon premier c'est Modern Warfare 2, mon deuxième c'est Black Ops 2, et normalement mon troisième c'est Modern Warfare 3. Eh ben non, mon troisième maintenant c'est plus Modern Warfare 3, maintenant c'est World War 2, mon gars. Mais je crois même que World War 2, je crois même qu'il sera peut-être en deuxième position ou en première position de l'un de mes Call of préférés. Parce que là, World War 2, c'est une tuerie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, mais je kiffe, mais un truc de dingue. Ah non, mais ça faisait depuis longtemps que j'ai pas kiffé un Call of Duty comme ça, non mais sincèrement, c'est génial, c'est fantastique, franchement, j'ai même pas les mots, c'est magique, c'est génial, bon allez, ben, c'est pas tout les amis, on va se faire une petite partie en MME au sniper, par contre j'ai gagné quelques défis, j'avais pas fait gaffe, et là j'ai juste à gagner deux camouflages et mon sniper je l'aurai en or mon gars. L'image de la carte, et ben là voilà. Il te fait un défilé là pour montrer tous les endroits de la carte en image. C'est génial. Pendant le chargement. C'est vraiment génial. Oh putain. Là aussi, je voulais essayer vite fait de faire des trick shot bot. Je pense que je le mettrai dans mon prochain épisode du Kill Cam Bot. J'ai mis un petit trick shot bot sur World War 2. Il faudrait que j'essaie d'en mettre en ligne. En tout cas, j'ai ma petite classe trick shot. C'est plutôt bueno. Oh non, mais oh non, s'il te plaît, la connexion ne bug pas. Oh non, 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 s'il te plaît, non, je suis en train de faire une vidéo en facecam, là, c'est pas le moment. Non! Oh non, frère, arrête! Ah ouais, non, mais mec, non, mais. Ah ouais, non, mais mec, non, mais si j'ai une connexion de merde, ça va pas le faire par contre, là. Ah ouais, mais non, mec, attends, je suis en train de faire une vidéo YouTube. Et vous avez vu, là, sur tous les Call of, la connexion maximum c'est 4 barres, et là, sur celui-là, c'est 3 barres. Alors là, c'est la première fois que je vois ça sur un Call of Duty. J'ai fait voilà. Oh non, non, normalement ça coûte 10 € l'abonnement. Et si vous, putain, je vais essayer de me concentrer. Et plus aussi, si vous utilisez mon code de parrainage, putain, hitmarker, mon code de parrainage pour Gamoniac, et ben du coup, l'abonnement, vous n'allez pas payer 10, vous n'allez pas le payer 9,99 €, mais vous allez payer 2,99 €, 7 € de réduction. En fait. Pour ça, c'est vraiment tout dans la description. Si aussi, je suis même en partenariat avec XBX Paradise et PS Paradise pour ceux qui voudraient. Vous avez juste à cliquer sur mon lien et vous payerez moins cher bah, vos cartes PSN, PlayStation, vos cartes Xbox, bah, pour Xbox. Et puis après, si vous voulez acheter des petits jeux PlayStation ou Xbox, vous avez juste à cliquer sur mon lien et vous le payerez moins cher. Putain, mais c'est pas possible! Mais là, je suis en train de me faire défoncer. Malade, alors là, je pensais jamais. Alors là, je pensais jamais qu'une vidéo en moins de 3 semaines fasse 2000 vues. C'est vraiment génial. C'est vraiment un truc de fou. Oh, attention, attention. Oh, non! Oh, j'aurais pu mettre une petite quad feed. En tout cas, j'ai fait une petite triple. En tout cas, un truc qui est bien, c'est que même si mon équipe perd, je passe quand même en kick cam. Attention.
Toi là je suis en défaite. Mon équipe a perdu, mais on va voir si je vais passer en kill cam. Yeah, je passe en kill cam, regarde. Petite triple sniper. Alors, la double. Ah, et la petite. Et le petit troisième. La triple, voilà. Putain, j'ai tiré à côté. Eh mec, dans la kill cam, j'ai tiré à côté, j'ai tué le gars. C'est bien, t'es un gentil toutou toi. Hit marker. Oh. Putain, non, 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 non. Marker. Putain, mais... Oh, les hitmarker, eh mais... Oh, je supporte pas ça. Oh, les hitmarkers, j'aime pas ça. Oh. Oh, regarde-moi ces deux, là, en train de camper, là. Putain. Oh, un troisième, en plus. Eh ben, je vous ai buté, vous trois. Eh ben, allez vous faire foutre. Oh. Oh, je suis même pas mort. Normalement, si tu tombes, là, normalement, tu meurs. Mon gars, j'ai glissé, je suis même pas mort. Oh mon gars, si je l'aurais mis ce... Putain, eh mec, si je l'aurais mis ce trickshot, vous avez vu, il y avait le gars là qui était allongé là. Il est génial, surtout quand tu retrouves les anciennes armes de World of Tour et tout. Ah, mais on retrouve-moi en kill cam. Putain, ça fait la deuxième fois que je passe en kill cam. Encore une triple. C'est quand les trois gars avaient en train de camper quoi. Regarde, je les ai tués à la PPSH. Putain, ça fait deux fois que je fais la triple en kill cam quoi. C'est une tuerie ce Call of, c'est une tuerie, je kiffe. Et là, regardez ce que vous avez comme. Comme style de grenade, vous avez un couteau de lancer. Oh là là. Alors là, je pensais pas du tout que j'allais mettre le couteau de lancer, parce que normalement le couteau de lancer, c'est sur Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 et Ghost. C'est que sur les trois Modern Warfare le couteau de lancer. Et là, il nous le. Ah aussi, il y est même sur Advanced Warfare, mais il faut une classe modée. Ouais, il faut une classe modée pour avoir le couteau de lancer sur Advanced Warfare. Mais là, il y a le couteau de lancer sur World War 2. Oh putain. C'est de la tuerie. Oh, génial, c'est vraiment fantastique. Allez, c'est parti pour une petite FFA sur World War 2 FFA Trickshot. C'est parti. Dès que je suis à 29, je... Allez. Espérons que la cam ne se coupe pas. Oh, parce que vu que j'ai pas trop de mémoire pour ce genre de truc, parce qu'en fait, je filme mon visage avec un iPad. Donc c'est moyen, quoi. Donc c'est pour ça, dans pas longtemps, je pense que je m'achèterai l'appareil photo avec le micro l'accroché dessus. Déjà, ça. War 2. Marker. Oh putain. Je crois que là, j'ai trouvé le meilleur spot FFA. Tu restes ici et t'attends que ça arrive à gauche, au milieu. Bon, là, c'est pendant que je gagne un largage. Oh, et c'est moi qui passe en kill cam, ça fait 3 fois d'affilée, regarde. J'ai juste fait 2 kilos snipe. Et genre je passe en kill cam. Mec, ça fait 3 fois d'affilée que je passe en kill cam. Je suis passé 3 fois en kill cam d'affilée dans une partie de World War 2. Oh putain. Mais c'est pas possible. Alors là, je m'attendais pas du tout à passer en kill cam quoi. N'inquiétez pas, je le dirai, vous inquiétez pas, je vais pas vous oublier. Justement, vous êtes. Je vous aime, vous êtes mes abonnés, je vous aime, je vous respecte, je vous adore. Si vous voulez, vous pouvez même m'ajouter sur la Xbox. Moi, c'est Luludar. Sur PlayStation, c'est Xams avec la barre Lulu19. De toute façon, c'est juste à mon ancienne vidéo. J'avais fait la vidéo Black Ops 2 sur PS3, c'est horrible. Ça, c'est vraiment. Plus jamais je joue à Black Ops 2 sur Play 3, plus jamais. Mais en tout cas, aussi dans pas longtemps, je vous ferai peut-être des vidéos. Enfin, déjà, j'aimerais bien que MW2 et MW3 et MW1 soient rétrocompatibles sur Xbox One. Déjà, là, ils ont mis Advanced Warfare. J'essaierai d'acheter et vous faire une vidéo Advanced Warfare sur Xbox One. Donc, si cette vidéo t'a plu, ben, n'hésite pas à lâcher un like, t'abonner à ma chaîne, laisser des commentaires au sujet de la vidéo, au sujet du jeu, au sujet de la console, au sujet de moi, au sujet de ma chaîne. Et si t'as kiffé, n'hésite. Ouais, si t'as kiffé, bah, n'hésite pas à lâcher un like, un gros like. Et moi, personnellement, moi, je vous aime comme vous êtes. Allez, à très bientôt. Ciao tout le monde, c'était Lulu. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, j'ai kiffé de fou. J'ai kiffé un truc de malade. Et là, je vais vous en servir.
C'est pas possible, je ne parle pas français, c'est pas possible. Je vais vous réserver plusieurs vidéos sur World War 2. Alors moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Lulu. Peace. World War 2 mon pote.